intéressante avec les unités spéciales. Les Cataractes en avantage numérique, 6e à 23%. Les Saguenay en désavantage, 5e à 83,3%. Bergeron passe à Bourque, s'avance sur la gauche. On tire le but! Maverick Bourque, but inscrit en avantage numérique. Bergeron n'a pas été gourmand là-dessus. Claude, il l'aurait pu lui-même. Et il y avait de l'espace pour Bourque. Donc Bergeron sait que Bourque est un meilleur tireur. Lui donne cette rondelle. Bourque a pris une fraction de seconde pour la placer, cette rondelle, sur son bâton. Et il l'a fait disparaître derrière le gardien des Saguenay. Il va de tir bloqué en défensive. Et Nadeau va tenter d'en profiter pour s'échapper, mais il est ralenti par le 24 des Saguenay. Et Crevier qui a joué brillant. Poudria, il a raté son jeu. Dégagement de Di Cesare. Et Crevier intercepte à la hauteur de la ligne rouge. Un seul joueur des Cataractes a pu changer, c'est Di Cesare. Crevier derrière le filet, passe devant. Tirez le but! Ben, on sentait venir ce premier but des Saguenayens. Ça faisait au moins 2 minutes qu'ils étaient dans le territoire des Cataractes, jumelés au mauvais changement de Cesare. Finalement, ben, c'est Vincent Lévesque qui marque ce but, Claude, sur une séquence à 3 contre 2. Deux joueurs des Saguenayens qui étaient dans l'enclave. Booth était là, Claude. Il ne marquait ni l'un ni l'autre. Ben, il y a eu but. Par la bande, envoie complètement à droite. Ça glisse à la ligne bleue vers Artemi Niazet pour Farmer, mais ça va vers Mercer. Ça avance en cave. Tir bloqué par Coulombe. Un arrêt important du gardien des Cataractes. Mais Dawson gardien Mercer. Des Cataractes. Coulombe a cédé le premier. Donc, Mercer voulait grimper la rondelle. Jusqu'au gardien Antoine Coulombe. Ce dernier va d'une longue passe. Ça s'avère complété par Martin dans le territoire des Saguenay. Tir qui a été bloqué par le gardien. Il reprend derrière lui pour les Cataractes. Passe sur la droite à Bourgo. Bourgo dans le territoire adverse. Passe devant. Et c'est à courte distance que Bergeron tire le but! Olivier Nadeau marque l'un de ses buts les plus faciles en carrière, Claude. Les Saguenayens ont été déstabilisé par le fait que Bill Litvinov, à courte portée, le gardien des Saguenay, a fait l'arrêt, mais le retour de lancer était disponible dans l'enclave alors que le gardien Saguenay, lui, était totalement déporté sur sa gauche. Nadeau seul dans l'enclave, ben, marque le deuxième but des Cataractes. À gauche, à Bergeron, revient au centre près de la ligne bleue. Bergeron à gauche pour Bourque dans cette demi-mise en jeu. Les dernières secondes de l'avantage numérique des Cataractes. Bourgo, un tir bloqué. Et Litvinov qui a été battu. C'est le but d'Olivier Nadeau. 3-1 Cataractes. Deuxième but du match de Nadeau. Encore une fois, bien positionné dans l'enclave. Bourgo n'était pas tellement menaçant, mais il était dans la partie inférieure du filet. Il a forcé Litvinov à laisser. Une passe devant, c'est intercepté. Et il y aura une échappée de Maverick Bourque pour les Cataractes qui va s'emmener devant le gardien Litvinov. Bouf, la feinte, mais Litvinov a harponné la rondelle. Et il suit, mais là, il y a une sortie des Cataractes et ça va donner un 3 contre 1. Campbell qui est sur la droite avec Pépin au centre et Martin. Tir de Campbell qui a été bloqué par Litvinov. Il y a une contre à la rondelle près de son but. Lève la tête et cafouille et Martin a permis à Ponomarev de reprendre. On remet à la ligne bleue à Pépin. Tir de Pépin, le but! Marc-Antoine Pépin va chercher le quatrième but des Cataractes. Il est le premier surpris. Claude, un tir frappé dans la partie supérieure. Qui a dévié, ça s'en va dans le coin sur la gauche et c'est Nadeau qui va sortir de son territoire pour l'attaquant des Cataractes. C'est du côté droit. Il envoie derrière le filet. Litvinov est de retour devant son filet. Bourque passe à rondelle à Campbell qui s'avance dans le territoire adverse face au gardien. La fête, mais au moment de tirer, il a perdu. À Ponomarev, il s'avance dans le coin à Nadeau, s'en va derrière le filet. Nadeau à droite vers Ponomarev. Ponomarev dans l'enclave pour Maverick Bourque. Tirez le but! Bourque fait payer chèrement les Saguenayens. Va chercher le cinquième but des Cataractes. C'est 5-1. Oui, et en première période, il avait battu Litvinov du côté de la mitaine. Cette fois, c'est du côté au-dessus du filet, près de la ligne bleue. Mann a vu la rondelle sauter par-dessus son bâton. C'est Ledoux qui s'amène en attaque. Il est sur la gauche. Ledoux passe vers Veillette au centre. Tirez le but! Anthony Di Cesare continue d'engraisser la fiche des Cataractes. Cette fois-ci, un beau tic-tac-toe. Ledoux a récupéré la rondelle. Généreux. Il l'a remis à Veillette, qui lui aussi close filet. C'est ça. Oui, le jeune man a peut-être pêché par excès de confiance à la ligne bleue, alors que ce dégagement a sauté, qui était très haut dans les airs. Il n'a pu l'intercepter. Ça a mené à ce 3 contre 1. Et le but d'Anthony Ferre en troisième. Bourque en zone neutre. Il a 2 buts jusqu'à maintenant dans le match, le capitaine des Cataractes. Revient vers l'enclave, laisse derrière à Nadeau. Nadeau s'avance, tire les buts! Tour du chapeau du numéro 20 des Cataractes et c'est 7-1. Quel tir de la part de Nadeau. Normalement, il marque ses buts, Claude, tout près. Le gardien des Saguenayens d'un tir d'une précision chirurgicale pour compléter son truc de chapeau et faire...